Donc, je recommence toute la vidéo, enfin presque toute la vidéo, la première partie de la vidéo, puisque mon appareil s'est éteint tout seul et qu'il n'a pas enregistré ce que je venais de filmer. Voilà, merci mon appareil. Donc, je vous disais, on va regarder, d'abord, salut, salut, hein, puisque je l'ai déjà dit, mais vous ne l'avez pas entendu. On se retrouve pour crash tester le coffret Shiglam avec les noces funèbres. Donc je recommence tout depuis le début, sauf que j'ai déjà acheté la moitié des packagings, donc je suis désolée. Non, c'est mon bracelet qui colle. Je suis un peu perdue. Là j'en étais quand même à la palette. Je viens de swatcher les fards. J'ai testé l'highlighter, donc je vous remontre tout ça et je vous montrerai plus en détail le coffret après. Donc l'highlighter, je vous disais, il se présente comme ceci. Regardez le packaging comme c'est canon. Et il est très beau, il a des teintes bleutées. Donc le packaging, franchement, canon. Canon, canon, canon. Donc je vais quand même refaire mon intro correctement parce que voilà, ça m'a un peu perturbée, mais on recommence. Donc on se retrouve avec le fond Halloween, sauf que j'ai mis les lumières blanches et j'ai pas allumé les bougies pour pas tout vous spoiler d'un coup avant la série Halloween. J'ai commandé donc le coffret quand il est sorti au prix de 38,99 €. Avec les réductions, je l'ai payé 35 €. Donc c'est franchement plus que correct. C'est très bien présenté. Vous avez deux étages. Donc le premier n'y est plus. Mais dans le deuxième, il y avait l'highlighter, les fossiles qui sont offerts en cadeau avec le bundle. Seul, vous ne pouvez pas les trouver. Les trois rouges à lèvres. Donc comme je vous disais, le rouge, je vais le mettre de côté pour vous parce que moi, je ne l'utiliserai pas. L'highlighter, je l'ai... Mais c'est quoi ce bordel? Je me fais agresser de partout. L'highlighter, je l'ai pris pour vous mettre aussi dans le lot du concours de Noël, enfin dans les deux lots, hein, j'en ai pris deux. Vous avez également les trois fards crème que j'ai déjà swatché et enlevé, la palette dont j'étais en train de parler et le petit baume à lèvres que j'ai mis sur mes lèvres, qui est tout simplement un baume hydratant. C'est juste qu'il est mignon parce qu'il est transparent. Voilà. Et qu'il a des petits reflets bleutés. Voilà. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'espère que mon appareil ne va pas refaire le con. C'est marqué qu'il y a une erreur qui est survenue. Ici, vous avez le petit anneau qui s'enlève pour faire une bague, mais on s'en fout un peu. C'est de la gnognotte, hein, bien évidemment. C'est du plastoc. C'est un baume à lèvres, tout ce qui est plus classique. Moi, j'adore ça, donc ça ne me dérange pas du tout d'en avoir un supplémentaire, même si j'ai un stock inimaginable. Vous pouvez très bien le mettre juste en baume à lèvres ou par-dessus un de vos rouges à lèvres mat pour donner un petit effet glossy et légèrement bleuté, parce qu'il est légèrement bleuté. L'highlighter, je vais vous refaire un swatch tout seul parce que j'ai mis un fard pailleté par-dessus. Oui, mais avec un doigt propre, ça sera peut-être mieux. Tant qu'à faire. Il est sublime. Il a des reflets bleutés. Franchement, c'est très, très, très dans le thème, hein. Il a des petits reflets bleutés et il est bien lumineux, donc ça c'est tout bon. Voilà. Avant de repasser au fard gras, donc je vous expliquais avant que ça coupe et que ça n'enregistre pas que j'adore Tim Burton, mais pas ce genre de truc. Les noces funèbres, l'étrange Noël et tout ça, j'ai jamais vu parce que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Sauf que je suis fan, par exemple, de Dark Shadow. Dès qu'il y a le mélange, enfin le duo Tim Burton, Johnny Depp, je suis complètement gaga. J'adore leur esprit à tous les deux et ils font un très très bon duo cinématographique. Voilà, ça c'est dit, j'adore. Là j'ai trouvé que le bundle, la collection m'avait vraiment hypé plus enfin, que les dernières qui sont sorties. Ça m'était pas arrivé chez Shiglam depuis la collection Astrologie. Donc je vous remets la playlist là et en barre d'infos. Ou un des deux, si jamais j'en oublie un des deux. J'avais pas été emballée par les autres collections, j'avais rien acheté de leurs autres collections, mais là, quand j'ai vu le coffret, même si c'est pas un truc, un thème que je connais par cœur, j'ai trouvé que l'univers était très bien pour Halloween, le bundle a l'air hyper complet, je trouve juste qu'il manque un petit blush. Voilà, sinon, il a l'air super complet et super agréable. Donc, je peux repasser aux petits produits crème. Vous avez donc les trois packagings qui se présentent comme ceci. Alors, je ne sais pas lire les teintes, hein. Mais c'est très mignon, c'est très dans le thème, hein.
C'est très bien. Franchement, c'est très, très, très complet. Donc, j'ai utilisé celui-ci qui est dans les teintes blanches. Et quand j'ai fait le swatch, je l'ai ajouté par-dessus mon highlighter et ça donne juste trop bien. Petite pause. Opercule de protection. Alors, celui-ci, il est plus liquide que les autres, j'ai l'impression. Mais bon, après, c'est pas le genre de produit que moi, je kiffe ma race, hein. Mais j'aime bien, surtout bah, là, comme je l'ai mis en highlighter, par-dessus l'highlighter, c'est juste calme. Donc, je vais faire les swatchs et vous montrer après, parce que j'ai déjà un sous-swatch. Ensuite, on a celui avec le petit chien-chien, qui est un gris anthracite argenté, avec des petites paillettes. Les paillettes, elles ont l'air un peu mordorées, comme ça, je sais pas. Je vois pas très bien avec mes éclairages, mais c'est très beau. Donc c'est vraiment une texture gel, hein, comme son nom l'indique. Donc ça, c'est humide, il faut juste attendre que ça sèche un peu. Normalement, après, ça ne bouge plus. Et le dernier, c'est le bleu avec la mythe. Et celui-là, oh my god, il est canon aussi. Hein. Voilà. C'est super beau. J'aime beaucoup. À tester sur les nœuds. Hein. Donc là, je vais nettoyer mes mains et on va faire les swatchs de la palette. Donc, comme je disais, j'ai craqué. J'ai craqué parce que c'est la première fois qu'on voit de la dentelle sur une palette. Enfin, que moi, je vois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont déjà vu, qui l'ont déjà fait. Je m'en tape. Moi, j'ai trouvé ça super. Vous avez un grand miroir et 4, 8, 12 fards. Je viens de les compter, je ne sais déjà plus. De le poids net est de 13,2. Donc, ça fait un peu plus d'un gramme le fard. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mats. Et le reste, c'est des... Donc, c'est moitié-moitié. C'est des lumineux. Et le bleu, ici, suivant comment vous le tournez, il est bleu ou violet. Donc, on va clairement l'utiliser. Ça, c'est un fait. Après, on reste dans les teintes dark, noir et gris principalement. Vous avez quand même deux marrons et un bleu marine ici. Un bleu très foncé, presque noir. Le reste, c'est du lumineux gris. Voilà, tout simplement. On va voir les nuances avec les swatchs. Donc, je nettoie mes petits doigts et on fait les swatchs. Donc, on va commencer par les quatre premiers. Ils sont doux. Et au swatch, en tout cas, ils sont pas... Attendez, je bouge mon bracelet, sinon il va claquer contre mon miroir. Ils sont pas poudreux. Donc, on va y arriver. Hein. Je vous jure qu'on va y arriver. Ah, celui-là, il a des reflets dorés. Donc, voilà pour les quatre premiers. Et là, il a des reflets blancs. Et quand je le mets comme ça, on voit qu'il a des reflets un peu dorés. C'est surprenant. C'est basique, mais surprenant. De la part de Shiglam, franchement, vu les prix de leurs produits, franchement, c'est une des plus belles marques que j'ai découvert cette année. On passe au 4 suivant avec ce fameux bleu mauve, là. Oh, il est canon, celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir. Il change de couleur. Oh. C'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et les quatre derniers. Donc là, il y a trois mats. Et il y a le noir avec une tête de mort gravée en blanc dedans. C'est marrant. Voilà. Donc tous les fards mat ont... ah non, sont estampillés, j'allais dire, mais non, il y en a deux qui ne le sont pas. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Bon, après, la tête de mort, elle est déjà plus là. Hein. Alors, celui-ci, c'est un pur argenté, quoi. Waouh, il est beau. Et le noir a l'air bien, bien, bien pigmenté. Hein. Oh là là là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, le noir, il a l'air pas mal pigmenté, quand même, hein. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez, je nettoie ça, je me rapproche et on s'attaque un petit make-up. Donc, je vais commencer par le gris. Je vais prendre le plus clair. Ici. Pour faire un creux large.
un creux quoi. Tout simplement. Ah, c'est bien pigmenté, hein. C'est pas un truc dégueulasse, hein. J'ai faim. Mais c'est l'heure de manger. J'ai attendu le facteur pour vous la tourner, vu que je dois vous la poster maintenant. Enfin, ce soir. Bon, encore une fois, si vous aimez pas vraiment le dark. Enfin, quoi que vous avez quand même les deux marrons pour faire du plus soft. Mais bon, vu le thème, c'est quand même pour du dark de base, quoi. Donc, je commence à estomper. Il va falloir que je coupe beaucoup au montage mon estomac qui gargouille. Je prends un pinceau plus précis et du coup, je prends le noir. Et je vais faire mon creux plus précis et mon coin externe. Je commence par le coin externe. Facile. Je l'étire dans le creux. Je reprends le premier pinceau pour blinder tout ça. Bon, je reprends un petit peu du gris pour mieux estomper. Et c'est pas mal, hein. Ça travaille bien les fois. Hein. J'aime bien. Un bon coup d'estompeur propre pour peaufiner le dégradé comme d'hab. Je vous dis tout le temps la même chose, hein, je sais. Moi, ça se dégrade super bien. Hein. Alors, je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre le... Et je vais prendre celui-ci. Et je vais le mettre en partie interne de ma paupière. Ouh. Ouh. Il est magnifique, celui-ci. C'est un vrai argenté. Hein. Oh, il est beau. C'est canon! Alors, avec la tranche de mon pinceau, je vais prendre celle-ci. Donc, c'est gay. Ah. T'as l'air d'avoir des petits sous-tons un peu lilas, je dirais. Pardon. Oh, il m'énerve ses cheveux là. Et je le mets en racine. Enfin, en partie interne, je racine. Oui, il a des petits sous-tons un peu lilas et plein de paillettes. Oh, j'adore. Oh. Pour le coin interne, je vais donc prendre le blanc. Oh là là, c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Oh, il est supra lumineux. Magnifique. Supra lumineux. J'aime beaucoup. Alors, je vais prendre un pinceau en poils synthétiques et du coup, je vais prendre le gel bleu. Le gel bleu. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Alors, j'y vais au pinceau hein, parce qu'au doigt, je vais en avoir plein les ongles. Je sais pas s'il va se prélever par contre. J'ai de la plasticine. Et je le mets au centre. Bien, là-bas, il faut y aller au doigt. Du coup, je reprends le pinceau là. Je pleine sur les côtés. Je reprends la palette et je prends le fard. Le mauve, on sait pas trop. Au doigt, allez, c'est la fête. Ça faisait un peu chita le bruit que j'ai fait là, non? Ou King Kong. Mais c'est pas trop. Mais c'était chaud. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Donc, je vais reprendre ce pinceau-là pour blender le blanc dans le bleu. Pas l'argenté. Je vais reprendre ce pinceau-là pour blender le noir et le bleu. Ça manque de quelque chose. Je vais reprendre celui-ci. Et je le mets par-dessus. Et sur mes chemises. Oh, j'adore. Bah écoutez, pour les fards, je pense qu'on n'est pas trop mal pour l'instant. Hein. Enfin, pour ce make-up-là, en tout cas. Donc, liner, crayon, mascara. Alors, je vais pas mettre les faux cils parce que comme j'ai le recourbement de cils, j'en chie vraiment sévère. Mais ils sont trop beaux. Ils sont très, 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 très beaux. Je pense que je les mettrai peut-être bien dans un de mes looks Halloween. Ils sont canons.
Un packaging monopop. C'est trop mignon. Enfin, mignon, si on peut appeler ça mignon. Hein. Voilà, je fais ça et je vous retrouve pour les produits lèvres. Et donc, voilà pour les yeux. Je me suis un petit peu apporté. Voilà. J'ai mis du liner. Oh, mais merde, ce cheveu, là. J'ai mis du liner pailleté de chez OPV. Donc, c'est le turquoise. C'est le Tease Me, je crois. Je suis plus très sûre. Je crois. Je ne sais pas lire la teinte. Alors, on va passer au rouge à lèvres. Et comme je vous l'ai dit, il y en a un qui est dans les teintes un peu plus rouges. J'aimerais bien savoir lire les teintes pour être sûr de ne pas faire de conneries. Alors, attendez, je cherche mes binocles. En tout, tout bordel, normal, quoi. Bon, du coup, ouais, c'est bien le Tease Me, tant que je l'ai sous la main. Oh là là! Donc, le Emily, ça, je sais que je le garde. C'est vraiment écrit tout petit. Donc, l'autre, je le garde aussi, la chic machin. Et celui-là, il sera pour vous. Je vous montre le packaging. J'enlève mes binocles pendant ce temps-là. Voilà, vous voyez, c'est dans les teintes un peu plus rouges. Donc, je vous mets de côté dans le concours de Noël. Et moi, je vais swatcher les deux-là. Donc, l'autre, je l'ouvre même pas. Hein. Alors... bizarre, ça sent littéralement le parfum. Ici on a le Emily. Oh, il est beau. Oh là, ils sont crémeux, ça sent très fort, hein. Franchement, une petite odeur de vanille, de cannelle, je sais pas, de quelque chose de moins parfumé, de plus gourmand. Ça, c'est le Emily. Il est canon, c'est un corail. Très beau. Et l'autre, c'est chic, je sais plus quoi. Blushing chic, blush chic, tu... je sais plus. Même odeur. Il sent le produit chiotte, en fait. Ouais, ça sent le produit chiotte. Je crois que ça sent la rose. Oh, il est... oh là là. Oh là 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 là. C'est rose et chic. Voilà, de mes... je viens de me souvenir. Il est très beau. Bah, écoute, on va mettre celui là. Je voulais mettre le Emily de base, mais... bon, les deux sont très beaux, hein, mais... je le teste sur une autre fois. Oh! J'adore. Ils sont super crémeux. Bien opaques. Ils s'appliquent bien. Moi, bon, j'ai pas mis de crayon, hein. Donc, je sais pas si ça va tenir ou pas. Hein. J'adore la teinte! Oh là là, j'adore. Mais ça pue, hein, ça pue vraiment le produit chiotte. Hein. Ça bavouille, hein. Il sèche. Il colle pas. J'aime beaucoup. Coup de cœur sur le rouge à lèvres. Bref. Je viens vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après pour débriefer de tout ça. Voilà donc le look final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Hmm. Donc, on va procéder par étage du coffret. Hein. Voilà, tant qu'à faire. Le petit baume à lèvres. Il hydrate super bien les lèvres. Il est très joli. Maintenant, à tester sur le rouge à lèvres. Écoutez, chose qu'on va faire tout de suite. Voir si ça donne vraiment des petits reflets bleus au rouge à lèvres. Je vous conseille de l'essuyer après. Moi, c'est discret. Mais voilà. De toute façon, ça, vous pouvez le faire avec tous vos baumes à lèvres, surtout si vous avez des pailletés. Mais je l'utiliserai, ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'adore les baumes à lèvres.
Les petits pots ici, le blanc là en highlighter, j'adore. L'autre, je l'ai mis en base. Seul, c'est pas le genre de produit que j'aime et je ne sais pas si je vais penser à les utiliser, sauf le blanc. Celui-là, je pense que pour les fêtes, je risque de beaucoup, beaucoup l'utiliser. Je suis pas sûre de penser à les utiliser. J'en ai plein de ce genre de produits et je pense jamais à les sortir. C'est un truc de fou. D'ailleurs, j'en ai liquidé plein parce que j'en ai plein qui étaient périmés. Alors, la palette, je vous la sors. Le packaging est canon, la contenance est très bien. Je ne sais pas le prix seul. Bon, il suffit d'aller voir sur Shein. Alors, elle paye pas de mine quand on la voit comme ça, mais elle est quand même un petit peu surprenante. Parce que vous avez des fards lumineux. Bon, les fards mats, il y a du gris, il y a du noir, du marron. C'est du marron moyen. Ici, c'est même plus un camel. Non, ici plutôt un camel pâle et ici un topaz. Je sais pas si ça se dit. Vous avez les deux gris et le noir et le bleu qui est très bien pensé. Voilà. Mais ceux à effet sont assez surprenants. Ils ont l'air assez similaires quand on voit la palette comme ça n'a pas l'air incroyable. Mais ils ont tous un truc différent. Alors celui-là, je vous en parle même pas quoi. Canon. Le blanc pour le coin interne est sublime. Celui-ci, il y a des tout petits sous-tons vraiment légèrement lilas, mais très 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 léger. Et c'est canon. Celui-ci, c'est un pur argenté. C'est vraiment couleur argent, quoi. Or blanc. Je sais pas comment vous le décrire, mais il est canon. Et celui-ci, les petites paillettes, il a plus des reflets un peu plus bleutés, je dirais. Comme ça, hein. Je me souviens plus, je l'ai pas testé, donc je saurais pas vous en dire plus. Mais franchement, c'est beaucoup. Je pensais pas être aussi agréablement surprise par ce genre de teintes, puisqu'elles n'avaient pas l'air incroyables en les voyant. Mais les fards lumineux sont vraiment très surprenants. Très, 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 très surprenants. J'aime bien. J'aime même beaucoup. Alors, les faux cils, on n'a pas testé parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai le recourbement de cils et je suis pressée en plus. Et j'en chie pour mettre mes faux cils. Donc, déjà que j'en mets pour les looks d'Halloween parce que c'est limite obligatoire. Là, c'est pas obligatoire, donc je ne l'ai pas fait. L'highlighter, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Il est très lumineux avec des petits reflets bleus. J'adore. Bon, moi, j'ai retapé les paillettes par-dessus, mais c'est totalement facultatif, hein. Vous voyez sur le bout du nez. Il est très lumineux, franchement, il est très beau. C'est un très très bon, très très bon highlighter. Après, j'en ai plein hein, des sous-tons bleus, mais je m'en fous, j'adore ça. Donc voilà, sous-tons bleus, sous-tons verts, c'est les highlighters que j'utilise le plus. Et les rouges à lèvres, bon, hormis celui que je vais pas garder pour puisque je vous le mets pour vous, vu que c'est dans les teintes un peu plus rouges, que moi ça m'intéresse pas forcément, puisque je n'aime pas trop le rouge sur moi et que j'en ai déjà deux, donc ça me suffit largement. Mais coup de cœur sur les rouges à lèvres. Bon, là, j'ai remis le baume par-dessus, mais. Donc, forcément, ça va bouger. Mais ils sont hyper crémeux. Ils s'appliquent super bien, super opaques. Parce que j'avais déjà fait le swatch avant de le mettre sur mes lèvres. Et j'ai pas eu besoin de retremper le truc dedans, quoi. La couleur, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. L'autre a l'air super canon aussi à tester sur les lèvres, mais au swatch, elle était vraiment super belle. Donc, que vous dire? J'adore cette collection. J'adore, franchement. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas été transportée par l'idée du, enfin, par les collections Chic Glam. Et là, waouh, je kiffe. Je kiffe. J'aime tout. Bon, à part les fards ici en crème, puisque moi je sais que je les utilisais un peu moins. Et le rouge à lèvres rouge, mais la palette, j'adore. Le baume à lèvres, je l'utilisais, il n'y a pas de souci. Le petit pot blanc, je l'aime beaucoup. Les rouges à lèvres, j'attends de voir s'ils vont bien tenir, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Bon, là, avec le baume à lèvres par-dessus, c'est juste pas possible. L'highlighter, j'aime beaucoup et les fossiles sont canons. Donc voilà, franchement, coup de cœur. J'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de mon petit achat. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué déjà dessus ou si vous allez craquer dessus. Après, je ne sais pas si le bundle est encore dispo. Je pense qu'ils vont le restocker. Il me semble que j'ai vu circuler. De mémoire, qu'il était out, mais qu'ils allaient le restocker dans pas longtemps. Donc, surveiller, voilà, surveiller Instagram, le site, parce que à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits.
Donc pour 39 euros, ça fait moins de 4 euros le produit, quoi. Je pense que c'est raisonnable, hein, vraiment très raisonnable. Après, Shiglam, franchement, très belle découverte cette année. Il me semble que c'est seulement cette année ou fin de l'année dernière que j'ai découvert vraiment avec la collection Astrologie. Mais j'ai plein, plein, plein de favoris. Vous verrez ça pendant le calendrier de l'Avent de Noël. Bah, de toute façon, il y a mes favoris qui arrivent bientôt là. Ouais, il y a les favoris, les derniers de l'année avant ceux de l'année. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits Shiglam dont je suis totalement fan, que je pourrais plus me passer. Bref, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve toute la semaine avec les vidéos. Demain, c'est les favoris, je crois. Oui, bien sûr que c'est demain les favoris. Oui, ça doit être ça. Bref, de toute façon, toute la semaine, vous allez avoir une vidéo. Et bah, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.